Il s'agit d'un être, mais il ne l'est pas vraiment, je m'explique. Cet homme ou cette femme n'est qu'une représentation. Présenté ainsi, nous n'avons aucun doute de son existence réelle. Mais quelles caractéristiques associons-nous à l'existence? Il y a deux options à la réalité. Cet homme ou cette femme peut être réel, mais il peut aussi être irréel. Mélangeons la réalité, c'est-à-dire l'être vivant, avec la représentation et observons. Nous constatons un changement radical au niveau binaire. L'être ne change pas, mais sa conception existentielle est modifiée. Il devient un nombre. Ces gens, ou plutôt ces représentations de gens, sont et font partie d'un réseau directement lié à la mémoire collective. Leur mémoire est encodée dans le plus petit et infime électron parmi des centaines de milliers d'autres à l'intérieur d'un disque de données. Pour être plus précis, nous sommes des numéros. La question se pose donc. Est-on dans un monde réel ou dans un monde où les numéros nous représentent?